tous et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision suite et fin ce mercredi. Suite ce mercredi des consultations à la Cité de l'Union africaine, le Premier ministre a échangé tour à tour avec la délégation de la majorité présidentielle, l'opposition républicaine, l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016, ainsi que la société civile et le quartier des signataires de l'accord du 18 octobre 2016, avec le même objectif, la formation du gouvernement. Plus de 5 mois, le gouvernement congolais fonctionne avec les crédits provisoires sans la loi des finances exercice 2017. Le député national Toussaint Alonga tire la sonnette d'alarme. Pour lui, jamais un pays ne peut fonctionner au-delà de 5 mois avec des crédits provisoires. Conséquence, difficile d'effectuer le contrôle parlementaire. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Bienvenue à tous et à chacun. Diplomatie d'abord. Le vice-premier ministre, ministre sortant des Affaires étrangères, a été reçu ce mercredi à Addis Abeba par le président de la Commission africaine, Moussa Faki, et Léonard Che Okitundu ont échangé sur l'évolution de la situation politique de la République démocratique du Congo. Le président de la Commission africaine a pris acte de la nomination de Bruno Tshibala comme premier ministre. Il a souhaité la mise en place rapide du CNSA et la formation d'un gouvernement ouvert à toutes les composantes issues du consensus de l'accord du 31 décembre 2016. Léonard Che Okitundu a fait également rapport au président de la Commission africaine des avancées dans le travail d'enrôlement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante qui compte à ce jour un peu plus de 24 millions d'électeurs. Ce voyage de Che Okitundu, qui était à la tête d'une forte délégation, intervient quelques jours après la tension diplomatique avec l'Union européenne, les États-Unis, la France, la Belgique et dans une certaine mesure la MONUSCO, qui ont émis des réserves sur la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre. Formation du gouvernement, deuxième journée ce mercredi des consultations à la Cité de l'Union africaine. Le Premier ministre a reçu notamment la délégation de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile signataire de l'accord du 18 octobre 2016. La majorité présidentielle conduite par son secrétaire général Oba Minaku attend la mise en œuvre rapide de l'accord du 31 décembre, notamment la formation d'un gouvernement inclusif. Je vous propose de suivre ici un extrait de l'interview du secrétaire général de l'AMP, mais également de celle qui a conduit la délégation de la société civile auprès du nouveau Premier ministre Bruno Tshibala, Maggy Kiala. Suivez. Nous, majorité présidentielle, nous avons promis de déposer nos propositions, nos candidatures au plus tard dans les 48 heures. Quant à l'arrangement particulier, puisque nous sommes de bonne foi, nous, la majorité présidentielle, nous constatons que le Premier ministre partage aussi cette bonne foi, dans la mesure où nous ne pouvons pas ne pas tenir compte des points de consensus concernant cet arrangement particulier. Parce que, comme vous le savez, l'arrangement particulier a été bloqué tout juste à cause de la désignation de deux personnes, le président du CNSA et le Premier ministre. Maintenant que le président de la République a, fort de son pouvoir d'arbitrage constitutionnel, nommé un Premier ministre conformément à l'accord du 31 décembre, il est clair, puisque nous sommes de bonne foi, que nous puissions tenir compte des points de consensus portés aussi par le projet d'arrangement particulier. Et donc, On est parallèle avec la question consistant à signer aujourd'hui l'arrangement particulier. Nous sommes bien loin parce qu'il y a déjà un Premier ministre. Évidemment, l'arrangement particulier, ça a été clairement accepté par tout le monde, même ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Les ministères de souveraineté sont de la compétence du président de la République. Et il consultera le Premier ministre. Il n'y avait même pas de débat à ce sujet. En ce qui concerne le quota de la société civile, nous avions demandé qu'il puisse revoir
les quotas de la société civile à la hausse, compte tenu de notre poids géographique. Et nous avions aussi dit à son Excellence que de conserver les acquis que la société civile a au sein de ce gouvernement sortant, et hormis ces deux postes, qu'il puisse nous ajouter trois autres postes pour que nous puissions vraiment nous impliquer dans les travaux du bon fonctionnement des institutions de notre pays. Autre délégation à être reçue par le Premier ministre, c'est la délégation de l'opposition républicaine conduite par le ministre Michel Bongongo, ministre sortant de la société de la fonction publique. L'opposition politique signataire de l'accord était conduite par son chef de file Vital Kamerhe, mais également le quartier des signataires de l'accord du 18 octobre 2016. Le condensé de ces interviews dans cet extrait sélectionné par Félix Ilunga et Eric Ndongala. Et nous avons clairement dit qu'il faut finaliser l'arrangement particulier. Vous savez très bien qu'il y avait des questions, la question de la nomination ou la formulation du mot de désignation du Premier ministre, ça a été fait. On avait indiqué de quelle manière on va désigner le président du CINSA. Et nous pensons qu'il n'y a plus rien qui empêche qu'on puisse signer l'arrangement particulier, puisque l'accord dit clairement que l'arrangement particulier fait partie intégrante de l'accord. Deuxièmement, nous avons souligné avec le Premier ministre la priorité qu'il faut accorder aux problèmes socio-économiques. La dégradation de la situation économique est un danger permanent pour tout le monde, et ça doit retenir l'attention du gouvernement. Nous avons parlé aussi du problème de l'insécurité ou de la sécurité, c'est selon. Nous avons en fait insisté sur le fait que le gouvernement qui devrait être mis en place doit être un gouvernement véritablement d'union nationale. L'opposition signataire n'entend pas participer à un gouvernement où il va faire de la figuration. C'est un gouvernement d'union nationale avec comme objectif cardinal d'organiser les élections, conformément à l'accord que nous avons signé le 31 décembre 2016. Vous faites de la signature de l'arrangement particulier un préalable pour votre participation à ce gouvernement? Et je ne voudrais pas parler en termes de préalable, mais je crois que je me suis exprimé de façon claire en français pour dire nécessité de finaliser l'accord, parce que l'arrangement particulier fait partie intégrante de l'accord. Je crois que c'est très clair. C'est le président Kengo qui le dit. Vous avez aussi parlé des quotas, la répartition du ministère et de certains ministères de souveraineté également. Tout ça, c'est pour le président Kengo. Nous tous, nous avons donné nos avis. Comment le cartel devrait être pris en compte, prendre part à ce gouvernement. Comment devrait être l'action du gouvernement et quels seraient les critères sur lesquels devrait se baser le Premier ministre pour la désignation de membres du gouvernement. La nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre est intervenue alors qu'il était sous le coup d'une liberté provisoire. Question maintenant aux professionnels du droit. Une personne sous liberté provisoire peut-elle jouir de ses droits politiques et civils? La réponse est oui, selon Maître Kabamba Bougitou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il explique que le régime de liberté provisoire n'enfreint pas les droits politiques et civils du présumé. Pour lui, le chef du gouvernement bénéficie de la présomption d'innocence. Il a dit au micro d'Anita Kangoudia et de Jires Chimanga, suivez ce reportage. Le nouveau locataire de la primature est sous le régime des libertés provisoires. Il a été arrêté après les événements sanglants des 19 et 20 décembre 2016. Selon un juriste, le régime des libertés provisoires place le présumé sur certaines conditions ou obligations, mais cela n'enlève pas le droit de jouir de ses droits civils. On ne peut être bénéficiaire d'une décision de liberté provisoire par voie d'ordonnance que lorsque
vous avez fait objet des poursuites judiciaires. Cela suppose que lorsque vous obtenez celle-ci, vous êtes placé sous certaines conditions, notamment le fait de ne pas fréquenter les postes frontaliers. On va vous astreindre à un certain nombre d'obligations et des rendez-vous réguliers au niveau du magistrat instructeur du dossier. Cela ne vous enlève en rien le droit de jouir de vos droits civils, notamment celui d'accéder à des postes de responsabilité tels que la primature aujourd'hui. Le Premier ministre actuel, s'il est réellement, parce que je dois vous dire que moi, je n'ai pas suivi le dossier de très près, mais si réellement il est sous le régime de liberté provisoire, rien ne l'empêche, mais alors absolument rien, d'accéder et d'exercer librement et de la manière la plus convenable selon ses compétences les fonctions de Premier ministre. Rien ne l'empêche. Parce que il bénéficie de la présomption d'innocence. Sous le régime de liberté provisoire, le magistrat instructeur du dossier peut rappeler le présumé ou classer le dossier sans suite selon l'évolution de l'enquête, a ajouté l'expert. Et puis on apprend qu'il y a eu crash d'un hélicoptère de la MONUSCO ce mercredi à Bukavu, au sud Kivu, un appareil de la mission onusienne qui a raté son atterrissage à l'aéroport de Kavumu à Bukavu, selon des sources de la MONUSCO. On ne dirait pas un crash, c'est un atterrissage raté. Il n'y a pas de victimes, a dit Hag Sag, porte-parole militaire de la MONUSCO. La police congolaise parle de crash et évoque 4 blessés légers. Entre-temps, la MONUSCO tente d'aiguillonner ses troupes sur les terrains en intégrant des nouvelles stratégies. Cette redynamisation intervient après maintes critiques lui adressées sur la méthode de travail et le constat d'inefficacité fait par le gouvernement à son égard. Ces précisions ont été données ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne. Albert Romba, reportage. Des critiques fusent de partout pour demander à la MONUSCO de faire plus de performances de leur action sur le terrain compte tenu de l'évolution de l'insécurité à travers la République démocratique du Congo, surtout au centre du pays. David Chrisley, représentant spécial adjoint, promet d'intégrer d'autres stratégies au sein de la mission onusienne pour répondre à cette nouvelle donne. Je crois que la résolution a été claire, la résolution a demandé la mise en œuvre de cette cour, on doit la faire dans sa totalité. Mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il faut faire référence à cette cour, à cette résolution. Je crois que c'est très clair. Et je crois que aussi, ça demande à nous de faire un travail de bons offices au niveau de la de mise en œuvre de cet accord, mais ça comprend aussi le système Nations Unies. Donc, on peut attendre un effort important pendant les mois qui viennent pour donner un appui, soit politique, technique, pour avancer sur la mise en œuvre de cet accord. Au sujet de la nomination d'un nouveau Premier ministre, la MONUSCO s'en tient aux accords de la Saint-Sylvestre tout en prenant acte. Je crois d'abord il faut commencer avec les aspirations du peuple congolais. Je crois que ce qu'on demande et qu'on avance avec la mise en œuvre, avec l'intérêt de la population et pas les intérêts des individus. C'est aussi de créer les conditions conducives pour ces mêmes élections. Mais aussi, on doit respecter le droit de manifester dans une manière pacifiquement, et je crois que ça c'est aussi important, et peut-être dans un sens plus large, de garder l'espace politique pour tout le monde, pour qu'ils puissent s'exprimer. Beaucoup d'enfants utilisés dans les conflits du Kasaï par le ministre Kamuina Nsapu affirment la MONUSCO. Et que tout est en œuvre. Et puis direction le Palais du Peuple, plénière ce mercredi à la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux ont examiné et adopté la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des architectes en République démocratique du Congo. La proposition vise l'encadrement des architectes. Après son adoption, cette loi a été envoyée à la commission infrastructure pour le toilettage. Amen Dimouani, Mboukou Kadi, Eric Alambaye, reportage.
À cette plénière, un seul point inscrit à l'ordre du jour, l'examen de la proposition de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes. Cette proposition de loi du député Lucien Kasongo vise la régulation de ces corps de métier, pas moindre. Les élus qui ont manifesté beaucoup d'intérêt à cette matière ont adopté le document qui a été transmis ensuite à la commission infrastructure pour toilettage. Et premiers concernés, les architectes présents dans la salle n'ont pas caché leur satisfaction. Nous disons que les débats étaient houleux et nous avons vu avec quel intérêt le député a débattu ces dossiers de la loi portant l'ordre des architectes. Et nous pensons qu'il y a vraiment un intérêt à ce que cette loi soit vraiment adoptée. La loi est très très importante dans ce monde, le monde de construction. Sans l'architecte, on se demande comment on va évoluer dans les domaines de construction. Parce que l'architecte a le rôle d'arbitre, il a le rôle du mandataire de la population, du mandateur du maître de l'ouvrage, donc de la personne qui initie les projets. Alors si l'architecte n'est pas là, il sera toujours triché et ses intérêts ne seront pas protégés. On s'est fondé sur l'article 36 de l'actuelle constitution, je crois ça et deux, qui trouve le fondement constitutionnel par rapport à l'ordre des architectes, dont nous n'avons fait qu'appuyer le travail intellectuel de notre collègue. En l'absence d'Aubin Minakou, président du bureau, c'est l'honorable Rémi Massamba, deuxième vice-président, qui a présidé la plénière. Et je vous le disais au sommaire de cette édition, aucun projet de loi des finances exercice 2017 n'a été déposé au Parlement depuis le départ du Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo et son successeur Sami Badibanga. Le gouvernement congolais fonctionne avec, vous le savez, les crédits provisoires et ce pendant plus de 5 mois. Le député national Toussaint Alunga tire la sonnette d'alarme. Pour lui, le pays est géré en mode urgence. Conséquence, difficile d'effectuer le contrôle parlementaire. Il s'exprime au micro d'Éric Kalambay et Amen Dimoni. Jamais un pays peut fonctionner avec les crédits provisoires plus de 5 mois. Nous sommes un État sans budget. Le budget n'est plus une préoccupation pour le Congo. La préoccupation actuelle, c'est le partage des postes ministériels. Quant aux conditions de vie des Congolais, quant au budget, ce n'est pas une préoccupation. Vous voyez notre chambre parlementaire qui est disposée à présenter à notre peuple le budget. Continuez à attendre parce qu'au bout de 5 mois, nous avons connu 3 gouvernements. Aucun de ces gouvernements n'a présenté le budget. Nous concluons tout simplement que le budget n'est plus une priorité pour ce gouvernement. La priorité, c'est de rester au pouvoir, de partager les ministères et de continuer à régner. Le peuple, il n'a qu'à attendre. Le jour où il leur plaira, ils vont présenter le budget. Voilà ce qui est important que notre peuple sache. Les conséquences sont claires. 1. Tout ce qui se fait en termes de crédit provisoire, difficile de contrôler. Le pays est géré en mode d'urgence. Tout se fait en mode d'urgence et cela échappe au contrôle parlementaire. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se fait actuellement parce que le pays doit vivre, l'État doit continuer. Mais lorsque l'État est soumis au régime d'État, au régime de gestion d'urgence, finalement ce n'est plus un pays. Le pays est géré par des règles. Les règles sont définies par la loi fondamentale et les autres lois. Mais lorsque les modes de gestion actuellement échappent au contrôle et à la constitution et aux règles de droit ordinaires, ainsi de suite, vous vous rendez compte que finalement nous sommes dans une descente aux enfers. Et dans le reste de l'actualité, le ministère du Plan, en partenariat avec la Banque africaine de développement, ont procédé à la remise des fonds et équipements à près de 1700 femmes, un financement qui entre dans le cadre du projet d'appui pour l'autonomisation des femmes. La cérémonie a eu lieu dans la circonscription
de Lukunga et devra se poursuivre dans le reste de Kinshasa, la capitale. Témoin de l'événement, Amendi Mouani. Ce qui réunit tout le monde en cette salle, c'est la cérémonie du lancement officiel du PROCER, le programme cadre de création d'emplois et d'activités génératrices de revenus, projet piloté par les ministres du Plan et financé par la Banque africaine de développement. Objectif visé, appuyer la femme dans son autonomisation à travers l'octroi de fonds et équipements en vue de s'élancer dans le micro-entrepreneuriat. Ces projets initiés depuis 2015 vient connaître sa concrétisation sous le leadership du ministre d'État Jean-Lucien Boussa, ministre du Plan. C'est un Jean-Lucien Boussa à l'aise, habitué aux masses parce qu'il est élu du peuple, qui prend la parole devant un peu plus de 1500 femmes pour circonscrire le cadre de l'exécution de ses projets. Le projet que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui est considéré par nous, au niveau du ministère des Plans, au niveau du gouvernement, comme un projet véritablement innovant. Parce qu'il touche une catégorie spécifique, dynamique, ce sont les femmes. Enveloppe, équipement, mais aussi la patente, à César, ce qui est à César. Ce sont près de 1700 femmes qui sont ciblées par ces programmes dans sa première phase, celle des populations de la circonscription de Lukunga. Au total, pour la ville de Kinshasa, ce sont 9000 femmes qui sont concernées. L'actualité en dehors de nos frontières, en Afrique d'abord, nouvelle journée de mobilisation ce mercredi contre le président sud-africain Jacob Zuma pour demander sa démission. Le président sud-africain fait face à une véritable tempête politique. L'ancien président Thabo Mbeki a d'ailleurs appelé les députés du parti au pouvoir à voter contre le chef de l'État Jacob Zuma. Environ 37% de repli de la peine de mort à travers le monde en 2016 par rapport à 2015. C'est le constat de Amnesty International. Le résumé de l'actualité internationale dans ce zapping de GFT Kitsita. Commençons par les États-Unis d'Amérique. Donald Trump a signé le 10 avril dernier le texte d'une nouvelle loi validée en amont par les congrès américains. Cette loi autorise la chasse et le massacre des ours polaires, des loups et de leurs petits en Alaska, et même des animaux hibernants. En justice, la peine de mort recule dans le monde. Dans son rapport annuel sur la peine de mort, publié hier, Amnesty International a recensé 1032 exécutions dans le monde en 2016, soit un repli de 37% par rapport à 2015. Toutefois, l'Association de défense des droits de l'homme dénonce la situation opaque en Chine. Face à la crise syrienne, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis d'Amérique ont présenté mardi dernier au Conseil de sécurité un nouveau projet de résolution demandant une enquête sur l'attaque chimique imputée au régime. Ces projets de résolution exigent une coopération complète dans l'enquête sur l'attaque qui a eu lieu dans la localité de Khan Cheikhoun, au nord-ouest de la Syrie. Dans le vieux continent et précisément en Afrique du Sud, Thabo Mbeki appelle les députés de l'ANC, le parti au pouvoir, à voter contre l'actuel chef de l'État, Jacob Zuma, lors du vote des défiances prévu au Parlement la semaine prochaine. Englué depuis des mois dans une litanie d'affaires de corruption, Jacob Zuma est secoué par une nouvelle tempête politique depuis les remaniements ministériels qu'il a ordonnés le 30 mars dernier. Clôturons par la Gambie où Mariana Danton a obtenu les faveurs de ses collègues parlementaires lors du vote pour la position du président de l'Assemblée nationale gambienne. Sa candidature était soutenue par le président gambien Adama Barrow. Cette avocate de formation qui succède à Abdoulaye Boyang devient alors la première présidente d'une Assemblée nationale post-Yahya Jammeh dont les membres ont été renouvelés à l'issue des élections législatives du 6 avril, le premier depuis le départ en exil de l'ancien président. Et en sport, réclamé à corps et cri par une frange des sociétaires du Comité olympique congolais, la réunion de clarification a finalement eu lieu mardi
au siège du Coq dans la commune de Limété. Curieusement, cette réunion s'est tenue sans aucun nombre de ceux qui ont milité pour cet éclaircissement. Le président de cette instance sportive était parti répondre à un autre meeting dans le même sens. Quoi qu'il en soit, l'option a été levée pour la tenue imminente d'une assemblée générale extraordinaire élective d'ici fin avril 2017. C'est ce que nous dit ce commentaire de notre spécialiste maison, Paul Cazos. Réclamé par certains sociétaires du comité olympique congolais, dessus du bilan négatif de l'actuel comité de la Fédération des Fédérations, cette réunion de clarification a finalement eu lieu. Chose curieuse, sans aucun nombre de membres des fédérations qui l'avaient exigé. Et même plus grave encore, d'Amos Mbayo, le numéro 1 du mouvement olympique congolais. Aussi, la fameuse réunion de clarification conduite par le docteur Ngebe a-t-elle abouti? Non pas à une vraie réunion de clarification, mais contre toute attente, à l'option unanime pour l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire élective, comme souligné dans le compte-rendu fait par José Bonengue au nom du comité olympique congolais. À l'issue de cette séance d'échange, les sociétaires ont demandé au comité exécutif de poursuivre le processus pour que nous allions le plus vite que possible aux élections. Le comité exécutif du comité olympique congolais a pris acte de ces souhaits et le comité exécutif va s'y mettre pour essayer de poursuivre le processus et arrêter en définitive une date pour les élections. Pourquoi l'option des assises électives? Simplement, selon Alidor Mbangila, les procès verbaux de l'Assemblée générale ordinaire avaient été adoptés à l'unanimité. À partir du moment où le bilan a été approuvé, c'est un problème de principe. Lorsque le bilan a été approuvé, c'est déjà tard. Je pense qu'on aurait dû poser ce problème avant que l'Assemblée ne se tienne, pour que nous puissions peut-être voir comment bloquer l'adoption de ce PV-là, de ce procès verbal-là. Heureusement, chose qui n'a pas été faite. Et nous avons carrément approuvé le bilan de cette assemblée-là. À partir du moment où le bilan a été approuvé, ça veut dire en d'autres termes que le comité en exercice a bien travaillé. Troisième journée des play-offs du championnat national ce mercredi à Bukavu. Le club a été tenu en échec par la formation locale de l'OC Bukavu Dawa sur le score d'un but partout. Bukavu Dawa glane ainsi son premier point en deux sorties et V Club son deuxième pour autant des matchs livrés ce jeudi toujours au chef-lieu de la province du Sud Kivu. Renaissance du Congo de Kinshasa sera reçue par l'OC Mungano, un autre club de Bukavu. Ainsi se termine cette édition sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde grâce au bouquet CPLA TV. Nous recevons depuis quelques temps des messages d'encouragement et des félicitations qui nous viennent de partout. Merci beaucoup à Serge Gola et toute la grande famille congolaise qui nous suit depuis le Canada et Londres. Vous nous suivez sur le canal CPLA 98, disponible dans 24 pays à travers le monde. Merci. Le prochain journal, c'est demain, 13h, puis 19h. À demain. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Anto Mohonga, décédée à Kinshasa le dimanche 9 avril 2017. Les familles Bonganga, Makasi, Mohonga annoncent aux amis et connaissances, particulièrement aux ressortissants de la province de Kwango, district de Popokabaka,
qu'en attendant le programme de funérailles, le deuil se tient au domicile familial 6 avenue Lubaki numéro 36, commune de Bumbu, direction Gambela. Ce communiqué tient lieu de faire part. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Anto Mohonga, décédée à Kinshasa le dimanche 9 avril 2017. Les familles Bonganga, Makasi, Mohonga annoncent aux amis et connaissances, particulièrement aux ressortissants de la province de Kwango, district de Popokabaka, qu'en attendant le programme de funérailles, le deuil se tient au domicile familial 6 avenue Lubaki numéro 36, commune de Bumbu, direction Gambela. Ce communiqué tient lieu de faire part. La révérende sœur Rosette Souta Lubaku, supérieure provinciale de la congrégation de sœurs de Marie de Popokabaka, a la profonde douleur d'annoncer aux communautés ecclésiastiques de Popokabaka et Kinshasa, aux familles, amis et connaissances ainsi qu'à tous les ressortissants de Kwango, le décès inopiné de la révérende sœur Monique Mundzeba depuis ce mardi 4 avril 2017 à Kinshasa. La levée du corps de la morgue suivie de l'exposition à la paroisse Saint-Léopold, référence Grand Séminaire Jean 23, aura lieu mardi 18 avril 2017 à partir de 13h. L'inhumation est prévue pour le 20 avril 2017 à Popokabaka. Nous recommandons le repos éternel de notre bien-aimé à vos humbles prières. Pour la congrégation de sœurs de Marie de Popokabaka, révérende sœur Rosette Souta Lubaku, supérieure provinciale. La révérende sœur Rosette Souta Lubaku, supérieure provinciale de la congrégation de sœurs de Marie de Popokabaka, a la profonde douleur d'annoncer aux communautés ecclésiastiques de Popokabaka et Kinshasa, aux familles, amis et connaissances ainsi qu'à tous les ressortissants de Kwango, le décès inopiné de la révérende sœur Monique Mundzeba depuis ce mardi 4 avril 2017 à Kinshasa. La levée du corps de la morgue suivie de l'exposition à la paroisse Saint-Léopold, référence Grand Séminaire Jean 23, aura lieu mardi 18 avril 2017 à partir de 13h. L'inhumation est prévue pour le 20 avril 2017 à Popokabaka. Nous recommandons le repos éternel de notre bien-aimé à vos humbles prières. Pour la congrégation de sœurs de Marie de Popokabaka, révérende sœur Rosette Souta Lubaku, supérieure provinciale. Ah,
voix douce. Pesala, rendez-vous pour Nala Lola. Panzelo, Olikolo, Babenisa, Bolingwango. Nazoko Kate, Koyo Kayona Monsika. Melancolie, Baya, Sala Sokolina. Nanga Moteme, comme Betana contre-temps. Pour la éviter, Samanino, Lingo, Mama. Yangarobe, comme il commande à Zete. Salaké bangana linga mabe, salata soluzo mukoka lova kamabi, yango kuto langwa na yebolingo. Fiston Dialunda, na Liège, Djogo Fassa, Clément Bivata, Pure Petit, yangra na ye grand prêtre, Roger Pombolo. Charlotte Luzembo, Gaston Kabamba, Linga Kamabeo, Luizon Mukoka, Linga Kamabe, un bas de jardin secret, Makri et Kamba, Lydia Odia, Dede Agari, Judith Chikabila, Ozia Boku, Christelle Mwambaka. Parisien aux yeux bleus.